Coucou les cupcakes, c'est Lila. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer les cadeaux que j'ai reçus lors de mon anniversaire. Donc, cette année, le 19 mai 2019, j'ai eu 24 ans. Et voilà, j'ai fait une fête avec mes amis, du coup, le 18, enfin, la soirée du 18 mai, puisque bah, c'est un samedi et c'est plus pratique. Enfin, bref, on s'en fout. Et j'ai reçu pas mal de petits cadeaux par toutes les personnes qui étaient là. Et du coup, je voulais vous montrer ça afin de les remercier une fois de plus encore. Et puis parce que j'aime bien regarder ce genre de vidéos et j'aime bien faire ce genre de vidéos. Donc voilà. Bon, bah allez, c'est parti. Alors pour commencer, déjà, là, je l'ai laissée derrière. Je vais pas la transporter ni rien parce que je suis blessée au dos et du coup, enfin, on s'en fout. En gros, mon ami Calypso m'a offert une table à repasser puisqu'en fait, la mienne était cassée et c'était un peu une excuse. En gros, on me l'a offert un peu avant l'anniversaire, mais du coup, ça me faisait marrer. Du coup, voilà, elle est juste là. Et c'est super parce que je pouvais plus repasser mon ange sur ma table à repasser à moi qui était cassée et qui était beaucoup trop basse. Du coup, j'étais pliée en deux et c'était très désagréable. Donc voilà, ça c'est chose faite. Bref. Ensuite, toujours du coup de mon ami Calypso, du coup, j'ai eu ce petit collier comme ça. En fait, c'est un vif d'or dans Harry Potter. Et c'est aussi une petite montre. Voilà, elle me l'a ramené d'Écosse, il est vraiment trop trop mignon. Moi j'en avais déjà un comme ça que Doudou m'a beau faire à la Saint-Valentin, mais ça me gêne pas du tout d'en avoir un deuxième étant donné que l'autre je le portais beaucoup et qu'il est déjà beaucoup rayé. Du coup voilà. Ensuite j'ai reçu un mini terrarium. Voilà, avec la petite carte comme ça, expliquant comment s'en occuper. En fait du coup j'ai reçu ça de la part de mon ami Andrea. Enfin, il y a déjà des petits cailloux qui ont bougé. Voilà, je trouve ça juste trop mignon. Et en fait, à chaque fois, Andrea aime bien m'offrir des plantes en fait quand elle vient à la maison. Et les chats les défoncent à chaque fois. Du coup, bah là, l'avantage, c'est que dans le petit truc en verre, les chats ne pourront pas l'atteindre facilement. Et ça joue cool. En plus, je trouve ça vraiment trop mignon dans cette forme-là. Voilà, bref. Ensuite, j'ai également reçu des petites cartes. Alors, j'ai reçu cette carte de la part de mes beaux-parents, donc les parents de Doudou. Je trouve vraiment trop mignonne. J'ai également eu celle-ci de la part de mon père. C'est une petite carte avec des cupcakes. Je trouve vraiment adorable. Et de la part de mon ami Gazou, j'ai eu celle-ci qu'elle a fait elle-même. Qui est trop mignonne. Donc c'est Pinkie Pie déguisée en chapelier fou d'Alice Pays des Merveilles. Je la trouve juste géniale. Ah, donc ça va être accroché dans ma chambre directement. Ensuite, de la part de mon ami Brandon, déjà il m'a offert le gâteau d'anniversaire qui était un gâteau My Little Pony, du coup avec Pinkie Pie dessus. Sur le thème de mon anniversaire, c'était My Little Pony, du coup c'était trop cool. Je pense que je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo du gâteau parce que je sais pas les incruster en fait en plein milieu de la vidéo. Voilà. Et il m'a aussi offert du coup ce petit coussin de Pinkie Pie qui est juste trop mignon. Voilà, donc si vous savez pas, un Pinkie Pie est mon poney préféré, hein, je pense que. Voilà. Ensuite, de la part de mon ami Clémy. De mon bébé, il m'a offert cette petite peluche licorne qui est juste trop adorable avec des gros yeux. J'adore, j'aime trop les peluches, du coup, bah, elle va partir directement avec les autres peluches dans ma chambre aussi. Après, du coup, de la part de Doudou, donc il m'a offert un petit mascara bleu comme ça. Donc, pareil, vu qu'à mon anniversaire, j'étais habillée dans le thème de Pinkie Pie, je voulais absolument faire un maquillage rose et bleu et j'avais pas de mascara bleu, du coup, il m'en a offert un. Et il m'a offert un petit gommage pour le corps à la papaye chez Sephora. Et également, en fait, une commande, il m'a donné un montant et j'ai commandé ce que je voulais sur eBay et Wish. Mais du coup, bah, tout n'est pas arrivé encore. Enfin, il n'y a même rien qui est arrivé, en fait, à part des sous-vêtements. Je ne vais pas vous montrer les sous-vêtements. Voilà. Du coup, bah, j'attends ça. Il y a des chaussettes, enfin, deux paires de chaussettes, un petit tutu, une Virgin Killer, des petites cornes de démon et des petits alphabets pour faire des gâteaux. Voilà. Ensuite, de la part de ma fille et Rémi, donc ma belle-sœur et mon beau-frère, j'ai eu un petit porte-clés Ron Weasley. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Ron Weasley, c'est mon personnage préféré dans Harry Potter. Voilà. Ils m'ont également offert, donc ça, c'est une petite lampe avec Ron Weasley. J'ai mis des piles exprès pour vous montrer. Voilà, en fait, depuis là. Et voilà. Et je trouve ça juste trop kiki, en vrai. C'est trop chou. Donc, pareil, ça va aller dans ma chambre directement pour pas que les enfants les abîment. Par mon ami Mew, j'ai également reçu quelque chose d'Harry Potter. Donc, j'ai reçu un coquetier comme ça. Voilà, Harry Potter. Je trouve vraiment ça super original. Vous voyez derrière, en fait, pour mettre l'œuf avec des yeux. Ça peut être trop cool pour faire des photos. À savoir que je mange encore des œufs, je suis encore végétarienne par rapport à ce que la diététicienne m'a demandé depuis que je me suis opérée.
Et le jour où je serai plus végétarienne, et ben, je m'en servirai pour faire des œufs au chocolat noir fourrés avec une crème végétale et je pourrais me servir pour les manger dans ça. Et ça pourrait toujours servir pour faire des petits biscuits en fait en forme d'éclair, même si là à la base c'est pour faire des mouillettes en pain de mie. Voilà. Et enfin, le dernier petit cadeau que j'ai reçu, se présente comme ça, c'est de la part de mon ami Stan. Et c'est juste trop joli. Il faut que je vous montre ça. Alors, ensuite, ça se présente dans une petite boîte comme ça. Vraiment, les packaging Swarovski et sont superbes en fait. Hop. Et c'est très bien protégé, hein. Voilà. C'est une petite centaure en cristal comme ça, qui est juste magnifique, clairement. Je m'y attendais pas du tout et je la trouve trop jolie. Voilà. Je trouve ça juste superbe. Ça va aller dans ma chambre aussi directement pour éviter les chats et les enfants au maximum, puisque c'est très fragile. En attendant, là, je remets ça dans la boîte pour plus de sûreté. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes petits cadeaux cette année. J'ai quand même été super gâtée comme chaque année, vraiment. Je trouve ça adorable. Je remercie toutes les personnes qui ont pensé à m'offrir quelque chose. Enfin, c'est très touchant en fait, parce que moi, bah, je passe du temps avec eux, je fais une fête avec eux pour passer du temps avec eux. Les cadeaux, bah, c'est secondaire dans un anniversaire. Et je trouve ça très mignon que tout le monde ait pensé à trouver un petit truc en fait qui correspond à ce que j'aime vraiment. Et je trouve ça adorable. Enfin bref, donc je les remercie encore tous une dernière fois. Voilà, j'étais super heureuse, j'ai passé un très bon anniversaire. Moi, je vais vous laisser là, je vais vous montrer du coup la petite photo du gâteau My Little Pony. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!